Pour vous faire une vidéo que certains d'entre vous m'ont demandé lorsque j'ai posté la photo sur Instagram. Il s'agit de mon nouveau balai vapeur de chez Black & Decker, le Steam Mop. Alors c'est un balai vapeur que je voulais depuis un petit moment maintenant, puisque j'avais vu une vidéo sur internet mais d'un modèle beaucoup plus perfectionné. Et en fait, pour la petite histoire, moi j'ai un carrelage en grès qui fait en fait qu'il absorbe tout, c'est-à-dire en fait il va absorber toutes les taches qui vont tomber dessus, que ce soit de l'eau, que ce soit de la graisse. C'est un carrelage qui est quand même difficile à nettoyer, donc je vous ai montré dans plusieurs de mes vidéos ménage comment je le nettoyais, avec le savon noir, avec le bicarbonate, avec le vinaigre blanc. Enfin bref, je peux le nettoyer de différentes façons, mais c'est vrai qu'en fait tout va venir du mouvement. Comme je vous le disais, ce n'est pas au niveau des produits que j'ai un problème en fait pour l'entretenir, parce que mes produits justement sont très efficaces et à la limite j'ai trouvé des solutions beaucoup plus efficaces que les produits ménagers conventionnels. Cependant, au niveau du mouvement, c'est-à-dire quand je passe la serpillière, si je la passe pas correctement, bien horizontalement, ou enfin dans le même sens, ça a tendance à faire des traces, et dès que ça sèche, ça fait des traces. Moi j'avais utilisé ceci, je vous l'avais déjà présenté dans mes favoris je crois, c'est en fait une serpillière en microfibre que vous mettez directement à votre balai ou à votre balai brosse. Et donc déjà ça permettait justement d'éviter, vous savez, d'avoir soit les languettes là si vous prenez les serpillières classiques, soit d'avoir justement la serpillière à chaque fois à remettre sur le... sur votre balai. Et je trouvais ça pas ça pratique du tout. À chaque fois j'étais toujours en train de changer, je trouvais pas ça forcément hygiénique aussi enfin bref, du coup j'avais trouvé ça vraiment très bien parce que je trouvais que ça fonctionnait bien. Par contre c'est vrai qu'il fallait que je le rince quand même assez souvent parce que ça retient un peu l'eau on va dire, donc du coup ça mouille, mais soit ça mouille trop soit ça mouille pas assez. Et donc du coup il fallait vraiment bien doser, vraiment bien faire le geste. Et si je ne faisais pas forcément le geste, alors vous allez me prendre pour une maniaco-dépressive du ménage. On va dire que je repassais à peu près 5-6 fois la serpillière dans la journée. Enfin même pas dans la journée, juste après. Tant qu'en fait ça ne me convenait pas, puisque je pars du principe que quand j'ai fait le ménage, je me suis fatiguée, je me suis donnée à fond, donc à un moment donné, j'aimerais avoir du résultat. Voilà. Enfin bref, petite parenthèse. Donc voilà, en fait moi le problème c'est que j'ai un appartement qui est transversant, c'est-à-dire qu'au niveau de la cuisine j'ai des baies vitrées, au niveau de mon salon j'ai des baies vitrées. Le matin j'ai le soleil dans la cuisine et l'après-midi ça tourne, ça vient dans le salon. Donc du coup en fait dès le matin j'ai toutes les traces en fait de la cuisine qui peuvent apparaître et là voilà c'est la catastrophe, je vois vraiment tout. Donc du coup il vaut mieux que mon carrelage soit nickel. Donc la solution à tout ça c'est que j'ai décidé d'utiliser le balai vapeur. Je me suis dit peut-être du coup avec ça, ça va beaucoup plus le nettoyer en profondeur, ça m'évitera de le brosser parce que régulièrement tous les printemps je me mettais à quatre pattes et je le brossais vraiment en profondeur pour vraiment le décrasser et le dégraisser. Mais du coup je me suis dit peut-être que ça sera beaucoup plus efficace au niveau des passages, au niveau du nettoyage. Et en plus donc c'est vous l'utilisez qu'avec de l'eau, donc c'est écologique. Le seul point qui n'est pas écologique c'est qu'il utilise l'électricité. Enfin il faut, à un moment donné on n'est pas au Moyen-Âge non plus. Voilà, donc j'en suis très contente. Je vous ai fait une petite démonstration, je vous montrerai juste après. Alors, il faut savoir justement que les avantages de ce balai vapeur, c'est que... alors, moi, le balai vapeur que j'ai choisi, c'est un balai vapeur, enfin, c'est vraiment le... Enfin, je pense que c'est l'entrée de gamme, en fait. C'est vraiment le basique. Je l'ai choisi avec fil parce qu'il existe également sans fil. Et je l'ai choisi juste, voilà, le côté balai vapeur. Parce qu'il en existe un autre, justement, qui a un gant que vous pouvez fixer pour faire vos vitres, vos baies vitrées, vos surfaces vitrées. Donc non, moi, je n'en avais pas forcément besoin parce que moi, je pense aussi rangement après. Hein, donc, je me suis dit, si j'ai encore 50 accessoires, où est-ce que je vais le ranger? Parce qu'à un moment donné, j'ai pas forcément plus de rangement que ça. Et j'ai pas non plus de beaucoup de baies vitrées quoi, je dois en avoir 6 à tout casser, plus les vitres de la chambre.
Donc, j'ai pas plus besoin que ça de baie vitrée. Voilà, c'est pas comme si j'avais justement une villa que vous fallait tout le temps. Enfin, bref. Du coup, j'en ai pas forcément besoin. Et pourquoi j'ai choisi le fil? Parce qu'en fait, je sais qu'au niveau des batteries, souvent les batteries ont tendance finalement à s'user avec le temps. On est embêté parce que l'autonomie ne tient plus. Et je me sentais pas, au bout d'un certain temps, bah, de recommencer en fait à charger toutes les 3 minutes pour l'utiliser et pas arriver à faire ma maison rapidement et justement qu'il faille que je le recharge toutes les 5-10 minutes à chaque fois que je fais une pièce. Voilà. Donc je me suis dit, on va jouer la sûreté. Je vais prendre un fil, j'ai envie de le garder longtemps, donc on verra. Après, peut-être que la batterie est très bonne, hein, mais je me suis dit, voilà. Après, c'est pas au niveau du prix parce qu'il n'y avait pas énormément. Enfin bref, c'est un détail. Donc, quels sont. Alors, je vais vous le présenter. Donc, quels sont les avantages de ce balai-vapeur? Les avantages, c'est déjà que vous avez un balai-vapeur qui est très maniable. Voilà, moi, c'est vraiment le côté que je cherchais le plus parce que si c'est pour passer quelque chose qui est très raide et qui. On a du mal à tourner et tout ça. Franchement, voilà. Moi, je connais justement l'aspirateur. Vous savez, l'aspirateur qui est vachement connu à bras, ouais, c'est sympa. Et il aspire très bien. Par contre, je trouve que quand vous tournez, ben, comme il n'a pas en fait une espèce de manche avec un bras rotatif dans tous les sens, qu'il est justement que vertical, vous devez à chaque fois tourner et ça reste quand même assez droit. Enfin, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Enfin, bref. Lui, vous le verrez dans la vidéo, justement, il a un bras qui est maniable, c'est-à-dire qu'en fait, peu importe le sens où vous tournez, le bras va tourner comme ceci et non pas juste comme cela. Voilà. Donc franchement, je trouve ça déjà très pratique parce que vous pouvez vraiment faire bien, enfin, vous pouvez vraiment bien faire tous les angles, tous les contours. Donc c'est vraiment très pratique quand vous le passez. Ça va très vite, c'est-à-dire que ma maison, je mettais à peu près un quart d'heure, 20 minutes si je voulais bien passer la serpillière dans toutes les pièces, le temps que je rince, que je recommence, patati patata. Et là, en 5-10 minutes, mais je même pas 10 minutes, moins que 10 minutes, j'ai fait vraiment toute ma maison. Ça va hyper vite, ça dépose vraiment la dose de vapeur qu'il faut, ça n'en pose pas trop, ça ne mouille pas trop, c'est juste vraiment ce qu'il faut. Ensuite, le temps de chauffe est vraiment mais ultra rapide. Je suis restée bête lorsque je l'ai allumé. Alors sur la notice, ils vous disent 15 secondes, mais ça met véritablement 10 secondes. Voilà. Vous avez ensuite un récipient amovible que vous enlevez lorsque vous voulez remplir de l'eau et le remplir. Vous le remettez. Il est simple d'utilisation. Alors par contre, il y a deux interrupteurs. Un sur le côté pour allumer la machine et l'autre pour allumer la vapeur. Ensuite de cela, vous avez donc des lingettes qui sont amovibles justement, que vous pouvez laver, que vous pouvez passer en machine à chaque utilisation, parce que justement ça va vous ramasser aussi toute la poussière. C'est ces petites poussières qu'on ne voit pas quand on passe l'aspirateur ou quand on passe le balai. Et donc du coup, ça nettoie encore plus votre carrelage et ça enlève vraiment tout. Donc ça, voilà, vous le passez à la machine, vous pouvez en acheter de rechange. Et c'est vraiment très pratique, c'est pas très cher aussi. Donc voilà, donc, que des avantages pour ce balai. Les inconvénients, alors les inconvénients, voilà, c'est les deux petits interrupteurs dont je vous parlais, je vois pas trop l'intérêt. Et du coup, bah, c'est le fil en fait, parce que le fil, c'est vrai que je me rends compte que lorsque je passe mon balai vapeur, bah, je vais pas aller en avant, parce que je vais marcher forcément sur la vapeur, donc je vais en arrière. Mais en arrière, j'ai tendance à avoir ce fil qu'il faut que je tienne pour pas qu'il ne vienne dans mes pattes. Voilà. Donc, parce que c'est vrai que du coup, le fil est quand même un petit peu court. Comme il n'est pas rétractable, c'est-à-dire qu'il rentre pas, qu'il s'enroule pas dans l'appareil. Vous avez par contre des crochets pour le mettre. Donc, je trouve quand même que c'est pratique plutôt d'avoir un fil qui ballotte lorsque vous le rangez. Donc, vous avez quand même des crochets pour l'enrouler. Mais c'est vrai que du coup, ben, forcément, quand vous le déroulez, le fil n'est pas forcément très long. Donc, plutôt que de le brancher dans chaque pièce, moi, je prends une rallonge donc pour pouvoir le passer directement dans toutes les pièces et éviter de le débrancher à chaque fois. Mais forcément, je me retrouve avec un fil voilà, qui est derrière moi et qui il faut que je le tienne et que je passe l'aspirateur. Que je passe le balai vapeur comme ça en reculant. Donc c'est pas super pratique, mais bon, ça va. Donc ensuite, on vous dit qu'il élimine 99,9% des bactéries. Alors vous savez justement que même s'il n'y a pas de produit, c'est un balai, la vapeur, tout ce qui est chaud, qui est au-delà de 60 degrés, vraiment tue vraiment toutes les bactéries. Et franchement, donc du coup, c'est très efficace pour les personnes qui ont des enfants, pour les personnes justement qui lorsque vous rentrez avec les chaussures ou des choses comme ça, c'est vrai que du coup, ça permet d'éliminer les bactéries. Et voilà. Donc, je suis vraiment très contente de ce balai vapeur, je vous le recommande. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo. Dites-moi si vous l'avez testé, si vous en avez d'autres, ce que vous en pensez.
Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Thank you.